Maintenant, nous invitons à ouvrir la Bible avec nous dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 4, du verset 1er au verset 10. 1 Timothée, chapitre 4, du verset 1er au verset 10. Première épître de Paul à Timothée, nous lirons le 10 premier verset. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Dans les temps difficiles, tenez ferme. Quimbez ferme dans un moment difficile. Stay strong in a difficult time. La Bible, mes bien-aimés, qui est la parole de Dieu, l'est mentionnée dans Apocalypse 12, verset 12. La terrible colère qui pourra l'emparer de Satan lorsque l'Irani compte réellement que l'heure pour les finir avancer. Dans le dernier moment, la parole de Dieu dit, il va y avoir des temps difficiles. Cela veut dire que Satan a avancé dans l'heure pour ne pas gagner pouvoir du tout encore. Et là, ça, il va rentrer dans une terrible colère. C'est là, ça, Satan va enrager. Nous comptons de dire, là où un tigre va mourir, c'est là, ça, le plus méchant. Et Haïtien, qu'on peut faire, qu'on dit que crabe cherche, pas quitter crabe cherche mon dos. Crabe cherche mon dos dur. Pendant la mourir là, sous quitter dans fermé sous où, ou gagne plus problème que si l'état de vie vous êtes capable d'ouvrir dans le crabe là. Donc c'est dans situation ça que Satan peut le trouver lorsque lui vient dans le dernier moment pour ne pas gagner pouvoir encore. Heureusement, le chrétien n'a pas vivre dans l'ignorance de ce qui peut arriver dans le moment ça. L'apôtre Paul dit au jeune Timothée, comme nous sommes pour vous, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ça veut dire que vous pouvez arriver en l'heure, même l'Église, vous pouvez quitter ou conduit par des esprits séducteurs, les gens qui ne sont pas convertis apprennent, et vous pouvez même enseigner des doctrines de démons que vous pouvez accepter. Plus loin dans cette même lettre, l'apôtre Paul fait une suggestion très importante concernant le
l'attitude ou bien comportement que chrétien doit adopter face aux attaques de Satan. Li bay nou information, la parole de Dieu bay nou information et li bay nou moyen pour nous faire face aux moments difficiles. C'est ainsi que l'apôtre Paul recommandait à Timothée de ne pas perdre son temps à discuter des idées stupides. Vous n'avez pas besoin de prendre temps à parler des mythes ridicules et de légendes, mais il a besoin plutôt consacrer temps et toute énergie à exercer ou bien à rester en bonne santé spirituelle. Le moment est arrivé, ce n'est pas un moment pour être troublé. D'ailleurs, Jésus qui mettait nous en garde, il dit que votre cœur ne se trouble point. Ça, c'est dans un moment, dans le dernier moment, pour le gain des troubles, pour le gain de qui pour virer l'esprit nous, pour le gain de qui pour arriver, côté que nous parlerons de stupéfaits devant eux. Mais l'apôtre va dire que nous devons consacrer temps, nous, énergie nous, à exercer ou bien arrêter en bonne santé spirituelle. Il est triste, mes frères et sœurs, de constater qu'une bonne partie de ce que l'Église a fait de nos jours, au sujet du retour de Christ, il consistait à discuter des petits détails, tandis que ignorait la recommandation de Paul qui dit que nous devons être en bonne santé spirituelle. Gemba est passé ces jours-ci, il a détourné l'esprit, nous. Vrai objectif nous gagnant, il voulait distraire nous pour nous oublier ça nous doit faire, pour nous oublier pour nous servir bon Dieu avec consécration et puis n'a discuté des choses stupides. L'apôtre Paul dit nous besoin rester en bonne santé spirituelle. Dans 2 Timothée 2 verset 3, Paul continue à mettre l'église en garde contre une apostasie future. Et il déclarait que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il y a un mot que je répète là, c'est l'apostasie. L'apôtre dit quoi que bagaille ça pas arriver. Après, il y a apostasie. Apostasie, vous l'avez dit, c'est un temps côté que les hommes pourraient éloigner des bonnes choses. C'est un temps de défection spirituelle, un temps de désertion, un temps d'abandon de la foi. C'est un temps ça à vivre aujourd'hui. C'est le temps d'apostasie. Bagay ou te considéré comme valeur, je dis à vous passer tout en bas pied. Je dis à ce n'est pas vous qui valeur encore. Au contraire, c'est bagay qui l'aide ce pas être valeur. Moi, je regardé dans ce moment sur une chaîne, non, sur les réseaux sociaux, il y a une dame qui a parlé, il prend le col, il mette dehors. Il dit pas quitter le monde, empêcher nous, montrer ça qui est bon encore nous. Li expose koli. Nuzite li. Il dit c'est ça que nous y même, c'est ça que nous gagnons, c'est pour nous montrer valeur que nous gagnons. Il fut un temps si un monde t'ava fait ça, t'a dit mes amis, c'est un riche de la société. Il pas respecter les normes. Il pas son monde qui sans pideur. Mais jodi a, yo prend comme un bagage normal. C'est ça l'apostasie. Et bien, mes frères et sœurs, nous avons vécu une période ça et nous entrons de plein pied là-dedans. À tel point que il y a des gens qui même sorti avec leader et entrent avec l'église. En effet, plus d'un s'imagine que par la prédication de l'évangile à toute la création, tous les hommes seraient convertis. La parole de Dieu pas dit nous que tout le monde a pas le converti. Au contraire, vous capable trouver des gens qui t'a servi mon Dieu, ils ont quitté l'église pour aller dehors.
L'arrivée dans le dernier temps. L'Écriture n'a pas jamais enseigné que le monde entier pourra le convertir. Au contraire, il dit que la majorité des hommes n'accepteront pas le message du salut. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Ils vont s'éloigner de la vraie doctrine pour s'attacher à des doctrines de démons. Dans Matthieu, chapitre 22, verset 3, verset 8, il montre nous comment la situation va le présenter. Et, il venait au point pour que il dit, malgré l'évangile qu'a prêché, malgré la bonne nouvelle qui a prêché par-ci, par-là, en pile monde, il relève, en Dieu, il en pile monde, pour qu'il va venir convertir. La bonne nouvelle a prêché, mais il arrive à la conclusion que, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tout le monde a appelé. Jésus-Christ pour aller lui dit, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est appel là, n'est-ce pas? C'est travail à faire. Mais ce n'est pas tout qui peut répondre. En pile, le monde a appelé, mais son petit groupe tout petit qui peut répondre. L'Écriture annonçait qu'à la fin des temps, un très grand nombre de chrétiens, de non-chrétiens, de non, abandonneront la foi. Et par l'apparition des faux Christ et de faux prophètes, par l'accroissement de l'iniquité, la charité du grand nombre se refroidira. Matthieu 24, 4, 5. C'est ça qui va arriver. Et nous voyons qu'il y arrive réellement. Aujourd'hui, je dis assez en évidence que le pullulement des sectes et des doctrines mensongères sont le début d'accomplissement de cette prophétie qui dit que nous parlons vivre un temps d'apostasie. Heureusement, Jésus-Christ l'était prédit, séduction ça dans Matthieu 4, verset, 24, verset 4, 5, verset 11 et même verset 24. Et les apôtres, particulièrement l'apôtre Paul, ils ont insisté sur l'infidélité future des hommes, l'infidélité du plus grand nombre. Dans 1 Timothée 4, verset 12, verset, qui ça le dit nous? Verset 1er. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Dans 2 Timothée 3, verset 1 à 5, Paul fait une déclaration qui est très frappante encore. Il déclarait que dans les derniers jours, les hommes aimeront les plaisirs plus que Dieu. Qui ça nous a qui pas fait aujourd'hui? L'homme aime les plaisirs plus que Dieu. Imaginez que, je t'ai regardé pendant Winter Time, il y a un football qui a joué, neige. Fouet. Population répond en grand nombre. Yo campé sous neige là, y a pas assisté match de football là. Si m'ta di yo vinn dans l'église a di non. L'église a chauffé, l'église a gagné hit. Yo pas vinn passer une heure de temps là. Et pourtant yo passé 3 4 5 heures de temps en bas neige pour yo capable pour un plaisir yo. Nous ne devons pas étonner de ça parce que la Bible dit ça. Les hommes aimeront les plaisirs plus que Dieu. Vraiment, il y aura des temps difficiles. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine de Timothée 4, verset 3, 4. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Yo choisi moun pa yo même parce que yo gen message que yo vle tande et puisque yo gen un message spécial yo vle tande yo gen moun pa yo choisi moun pa yo ki pou ba yo message si la gen l'église ou kap trouvé pa gen place pou mete moun parce que depuis yo vini la yo di depuis ou accepte Jésus-Christ tout problème ou résoudre c'est l'évangile de la prospérité.
Yo même annoncé que nous pral gagner 40 jours de miracle. Miracle veut dire on bagay ko paté même penser s'il t'a privé. Qu'on y a monsieur tellement expert, yo annoncé que yo pral faire miracle. Yo plus fort que Jésus. Yo gen pouvoir que Jésus-Christ. Nous pral faire miracle pendant 40 jours. Ce matin mes frères et sœurs, plutôt que de spéculer sur le moment possible de l'avènement de Jésus-Christ ou sur les éventuels événements mondiaux qui à survenir ou bien qui a précédé la venue de Jésus-Christ, nous proposons pour nous présenter à l'Église 4 impératifs spirituels qui sont capables d'aider nous pour nous capables mieux résister aux attaques du diable dans les derniers jours. Ce n'est pas important pour nous pour regarder qui ça a fait, mais qui ça nous doit faire pour nous être en bonne santé spirituelle. Comment pour nous faire face aux attaques du diable dans les derniers jours? Le diable pourra attaquer l'Église, le diable pas jamais pas attaquer l'Église, le diable pourra attaquer même l'Église, il pourra rentrer dans le temps diaconat, il pourra rentrer dans le temps pasteur, il pourra rentrer dans le temps même l'Église là, il pourra rentrer dans le worship team, non? N'est-ce pas? Pour lui frapper avec nous, parce que le diable ne peut pas camper pour l'église, bon diable avancer. Non, du tout pas. C'est des voies. D'ailleurs, il dit que la poursuivre nous jusqu'à la porte du ciel. Il n'est pas chômé. Donc, la parole de Dieu, ben, nous, une recette. Comment nous devons préparer nous pour faire face aux attaques du diable? Première façon nous capable préparer nous, c'est que nous devons, frère Maxim, chercher ou bien pratiquer la présence de Dieu. Chercher la présence de Dieu. Autant que diable a fait nous des menaces, autant que Satan a attaqué nous, qui ça nous besoin faire? Nous besoin rentrer en baselle le Seigneur. Rentrer en bas roche solide là, n'est-ce pas? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Pour être prêt à affronter les attaques futures de Satan, nous devons continuellement chercher la présence de Dieu. Notre sanctification dépend du fait que nous sommes en relation constante avec Dieu. Et je veux dire nous matin que la proximité de Dieu lui procurer le bonheur, lui procurer la grâce, lui procurer la sécurité, lui procurer la joie. Psalmiste dit, la prêter dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Et dans son 27, il déclare que je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. L'autre verset est encore plus important, il dit, car il me protégera dans son tabernacle. Donc, ce n'est pas sans raison, n'est-ce pas? Lorsque Salmiste dit, je veux habiter dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas? Non seulement la contempler la gloire du Seigneur, non seulement il est dans une belle ambiance, mais il dit, il me protégera dans son tabernacle. Dans les Psaumes 4, verset 9, qui ça dit, n'est-ce pas? Samuel Sankopé dit, pendant que tu as cherché pour faire le mal, il dit, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Voilà la relation, bien la proximité de Dieu qui s'allie pour curer. Lors de la présence de mon Dieu, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Lors de la présence de mon Dieu, vous bénéficiez de la grâce de Dieu. Même si vous êtes en difficulté, même si vous avez un problème, Seigneur, comme il a dit, ma grâce te suffit. Vous avez une sécurité, comme nous sommes répétés. Vous avez toujours un monde qui a un cœur en joie. Somme 23, il explique tout le monde pour nous dans une seule phrase. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Rien. Ça ne dit rien, absolument rien. Il dit que
si m'gen bon Dieu, m'gen tout bagay. Moi, plutôt que Jésus passe tout bagay. Et c'est là que Jésus qui gagne tout bagay. Nous, quand on chante, nous dit, et si vous n'avez pas Jésus, vous manquez. Ce n'est pas un bagay ou manque, vous n'avez pas rien. Ce n'est pas un bagay ou manque, vous n'avez pas rien même. C'est là que Jésus qui gagne tout bagay. Chant ça, nous avons dit théologiquement, nous pas bien chanter. L'autre dit, manquez un bagay. Ça veut dire que il y a quelque bagay qui gagne. Bon, pas gagne Jésus qui s'en gagne encore. Pas gagne. Oui, c'est pour nous être dans la maison, Seigneur. Pas gagne un plus bon côté, nous capables de cacher. Que lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, dans le dernier moment, nous avons besoin de chercher la présence de Dieu. Non seulement nous avons grandi spirituellement, mais aussi sur le plan temporel, nous avons gagné protection. Deuxièmement, là nous y vais dans le dernier temps, comme ça nous avons besoin de développer ça qui est le culte individuel. Personnellement, ou même, le Satan a augmenté l'attaque pour être plus près spirituellement, nous devons développer, bien cultiver le culte personnel. Côté que nous rentrons dans la méditation personnellement. Et c'est un moment qui compose ou bien qui comprend la prière, la louange et la lecture de la parole de Dieu. Nous recommandons, on dirait que c'est tout simple, n'est-ce pas? Ou faire ça personnellement, ou rentrer dans la prière, pas oublier que pour bien mon Dieu, louange, et en même temps, ou adonner à méditer la parole de Dieu. Donc, il y a un culte personnel dans le sens que c'est où maintenant? Ou pas attendre à ce que c'est un groupe qui fait, ou pas attendre à ce que c'est l'église qui fait. Mais il faut qu'on ait que, ou même son monde qui déjà targeté par le diable, ou besoin commencer à préparer pour éviter que l'air vienne frapper avec vous, ou gagner un bon dépôt. Ok? Ou un bon dépôt, parce que la parole de Dieu, comme nous te lis dans le texte avant la prière pastorale, n'est-ce pas? Nous pouvons lutter, nous n'engoumer avec Satan. Mais qui ça pour nous faire? Nous devons revêtir les âmes spirituelles. Et les âmes spirituelles, nous sommes capables de gagner là. En dedans, les âmes spirituelles, nous gagnons la louange, nous gagnons la prière, nous gagnons la lecture de la parole de Dieu. Et nous voulons faire connaître que mes frères et sœurs, l'aurait-il dans la louange, l'aurait-il dans l'adoration, ou était dans la prière de la parole de Dieu, ou puissant passer Satan? Satan n'est pas capable de camper devant vous, parce que vous êtes en contact avec le Seigneur. Là, en contact avec le Seigneur, qui ça Satan capable de faire, n'est-ce pas? Il y a un chrétien pas capable de vivre sans la prière. C'est une plus grosse âme spirituelle que nous gagnons. Dans le psaume 55, verset 17, Samson dit, et moi, j'écris à l'Éternel, je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il entendra ma voix. Ouais, il dit, il soupirait, il gémit, il parle à l'Éternel, il crie à l'Éternel. Et qui ça, bon Dieu, fait? Bon Dieu répond, il entend des voix. Dans l'orange, dans la lecture de la parole de Dieu, bon Dieu est prête pour être capable d'entendre nous et agir en notre faveur. Il est important, mes frères et sœurs, que chaque croyant nous développe le culte individuel. Troisièmement, pour nous préparer aux attaques du diable, nous ne devons pas nous attacher au bien de ce monde. Ne nous pas dire monde pour quitter Kayo. Ce n'est pas ça nous dit. Nous ne pas dire monde pour pas acheter belle voiture, n'est-ce pas? Nous ne pas dire monde pour pas faire ça qui est bon, ça qui est belle. D'ailleurs, nous servons un bon Dieu qui aime une belle bagaille. C'est pour nous qui une belle bagaille. C'est pour nous qui une belle caille. C'est pour nous qui une belle voiture. Là, nous habillés, quoi, nous sommes, je dis à nous bien belles, mais nous sommes plus belles encore dimanche dernier pour Pâques là, n'est-ce pas? nous habillés pour l'argent, nous, au nom du Seigneur. C'est belle bagaille, bon Dieu aime ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Cependant, nous ne devons pas quitter les bagages, c'est devenu une idole pour nous. Nous devons être sous nos gardes face à la tromperie de Satan.
li kon utilize bagay sa yo pou ekate nou de Dieu. Parce que bagay sa yo kon fè nou koncentre sou le materialisme au lieu que nou chèche la présence de Dieu, n'est-ce pas? Et pasteur John Wesley, qui a prêché un message sur la façon d'éviter les choses du monde. Et te gen moun ki vin pose li yon question, li di, pasteur Wesley, ki sa vle di par le monde? Et pasteur Wesley répond sans hésiter, tout ce qui refroidit mon amour pour Jésus, c'est le monde. Si ou wè, ou gen yon bagay, ou plus adonné à li, que adonné à activité bon Dieu, c'est le monde doit servir. Si ou wè ou gon pitit, ou plus yon men pit la que ou aimé bon Dieu, c'est le monde. Ou wè ou gon activité, ou paye plus de temps, ou consacre plus à li, c'est le monde. Tout ça qui refroidit l'amour qu'on gagne pour bon Dieu, c'est le monde. Tandis que bon Dieu dispose de nous tout ça que nous avons besoin. Qui ça nous besoin de faire? Matthieu 6, verset 33, il nous répond ça. Il dit nous, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toute autre chose vous sera donnée par-dessus. Donc, nous ne pas être attachés aux choses du monde. Bon Dieu montre nous que nous avons besoin. Il connaît nous avons besoin. Bon Dieu connaît ça que nous besoin pour nous vivre. Bon Dieu connaît qui ça ou besoin qu'à vivre aux États-Unis, faut payer mortgage, n'est-ce pas? Mais ou pas qu'à dire que mes amis, m'ai tellement gain un gros mortgage sous moi, m'ai pas qu'à venir l'église encore, faut mal travailler. Qui sont remet là, remet le monde. Ou pas remet bon Dieu. Tandis que si tu fais sacrifice pour capable venir dans présence de bon Dieu. Conseil de miracle, bon Dieu t'a fait pour, t'a demandé qui bon Dieu a servi là. Conseil de bon Dieu t'a fait pour, parce que nous pas trouver un monde qui engagé pour servir bon Dieu. Comme je toujours dis, pour moun ça a honte demain. Pour dire qu'on a que, moi regrette de venir l'église. Moi regrette de bail temps pour me servir bon Dieu. Investis-nous dans le travail, bon Dieu. Il dit que, l'apôtre Paul dit, travaille en deux mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Tout le monde qui est influencé par ça dans le monde là, et qui est engagé pour travailler pour mon Dieu, ou pas travailler en vain. Bon Dieu n'est pas ingrat pour t'oublier bonnes œuvres. Nous pas dit que bonnes œuvres, c'est qui parle faire bon Dieu, font bagaille pour vous, n'est-ce pas? Mais, il y a un monde qui est sauvé. Évident sauvé à fois qu'on fait bon bagay. Et ça fait que Jacques lui mettait un pile accent sur les œuvres. Eh bien, c'est que lui dit si ou dit ou gain la foi, c'est pour montrer qui sont faits. Ça veut dire que c'est la foi qui fait que ou produit des œuvres. C'est pas les œuvres qui produisent la foi, n'est-ce pas? Mais c'est la foi qui produit les œuvres. M'sauvé pour servir, m'sauvé pour m'travail, m'sauvé pour produire des fruits de l'esprit. Et ces fruits, ça qu'a pas le faire tout pour nous que moi son monde qui converti. M'pas qu'a dit m'converti et puis m'pas fait rien, m'pas jamais capable. Parole m'a toujours été même j'aime t'ai aidé yo, n'est-ce pas? Comportement toujours mettez même monde encore monde qui pas converti c'est eux qui zami ou c'est eux remet pour zami avec eux monde qui pas dans l'église c'est eux qui toujours bon compagnon quand on passe n'est-ce pas c'est pour montrer qu'on converti à travers comportement ou à travers fruit qu'on a produit parce qu'on reconnaît l'arbre par son fruit nous pas attacher nous aux choses du monde quatrième recette on a dit et nous avons gagné pour nous faire face aux attaques du diable. En tant que chrétien, nous devons adonner nous à l'œuvre de l'évangélisation. Aller à la recherche des âmes perdues, évangéliser. C'est une part importante de préparation nous au retour de Christ. Si nous préparons nous pour Jésus qui a tourné, nous devons non seulement faire préparation personnelle pour sur le plan spirituel mais grand pile moun dehors aussi qui n'en fait noir nous t'arrêmer moun sa yo pour quitter fait noir pour venir dans lui dans lumière
c'est un bel moyen que nous gagnons pour nous être capables de préparer nous contre les attaques du diable. Une part importante de notre préparation au retour de Christ, elle doit axer sur l'évangélisation. Nous devons développer dans nous-mêmes une prise de conscience de un pile monde qui a perdu des yoa qui pas jamais entendu parler de Jésus-Christ. Plus temps a difficile, plus nous devons être conscients de la multitude des gens qui non seulement besoin de Jésus-Christ comme sauveur, mais ils n'ont pas gagné moins d'idées de qui monde Jésus-Christ est. Le monde, faut maximum. Non, je n'ai pas avancé là. Non, je n'ai vu jeudi. Le monde n'a pas amélioré. Mais l'évangile, nous devons prêcher l'évangile. La parole de Jésus-Christ dit donc que allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Convertir à eux, ce n'est pas un job pour nous. C'est bon de convertir les gens. C'est cet esprit qui régénère les gens. Mais nous, ça nous avons besoin de faire. Nous avons besoin d'aller nouvelle là. L'évangélisation est importante à la lumière de l'avènement de Christ et l'est décrite comme un impératif. C'est un impératif pour nous aller bailler l'évangile. Si nous regardons bien, dans tout approche Jésus-Christ, qui ça a été fait, il utilisait face à l'impératif ou bien il passait en l'ordre. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez faire de toute nation des disciples, n'est-ce pas? Vous serez mes témoins. Donc c'est des paroles que lui engagé disciples pour aller bailler l'évangile. Il faut que bonne nouvelle là capable de prêcher à toutes les nations. Et dernier point, nous avons souligné pour vous, pour lorsque nous avons fait face aux attaques diables dans les derniers jours, nous avons besoin d'afficher notre appartenance à Jésus-Christ. Chaque monde cherche qu'en haut. Il est temps que pour camper en dépit des difficultés, en dépit des menaces, pour dire, moi, c'est mon Jésus-Christ et m'a prêté chrétien pour tout temps. Il y a des gens qui vivent quelque côté, ils n'ont pas voulu dire qui est mon Dieu. Ils n'ont pas dit que c'est un chrétien qui est. Parce que Jean, l'autre monde a comporté, ils ont allié même Jean. Ou doit montrer qui sont. Les chrétiens de Béret étaient tellement, les chrétiens d'Antioche plutôt, ils étaient tellement fait ça, Jésus-Christ fait, pour yote ridiculise yo, yo le yo chrétien. Si Jésus, n'est-ce pas? Yo le yo même, yo parle con Jésus, yo comporte con Jésus, yo gon comportement con Jésus, et puis pour ridiculise yo, parce que peut-être que chrétien pate en honneur dans un moment, non? Moun ne ki pote les sens, son honneur, parce que li accepte Jésus-Christ, mais pour société, a, c'était une façon pour déshonorer moun yo, yo le yo chrétien. Eh bien, et la croix qui était un objet d'ignominie, n'est-ce pas? Jésus-Christ fait que ça yo paté point pour important, ça yo paté ben valeur là, c'est lui qui vient gain valeur. Pendant que y a pris le moun yo chrétien parce que yo veut ridiculiser yo et pourtant c'est plus gros titre moun te ka posséder. Yo mettre le yo sorte carrière, pas pour te carrière, président te carrière, n'est-ce pas? Moi côté me camper là, me connais me gain plus gros titre passer toute autorité qui gagne. Parce que relè me chrétien. M'a servi un bon Dieu qui vivant. M'a servi un bon Dieu qui puissant. M'a servi un bon Dieu qui capable changer un homme moi qui t'est perdu pour faire venir un homme qui vivant. C'est moi ça qui m'a cherché, m'a servi. Pour ça me pas fier côté me passer pour me dire c'est chrétien. Moi je dis bon Dieu merci de ce que depuis petit m'a grandi dans l'évangile et nous t'es même nous tous contents pour la ouelle dit moun sa l'évangile ou le moun sa yo c'est ça on t'a dit longtemps n'est-ce pas hein longtemps pour identifier un chrétien on dit moun sa l'évangile oui qu'on y aller nous propose éclairer nous n'est-ce pas et, c'est l'évangile ou l'évangile ou n'est-ce pas et on t'a fait confiance dans quartier il y a des gens qui a marché l'église. Les gens qui n'ont pas gagné l'esprit, ils ont bon papier terre. Est-ce que nous connaissons grand chrétien qui perd dit papier terre, non, pas c'est papier terre? Parce que ils ont fait confiance.
Mais pasteur qu'on bakoulou tout, n'est-ce pas? Et puis, c'est ça qui est arrivé. Et il était question de, lorsque nous avons un problème, madame Marie, même si je ne suis pas converti, je viens de côté pasteur, je viens de côté chrétien. Yo. Parce que te connais, nous avons un bon bagage là, kay nou. Eh bien, mes frères et sœurs, l'arrivée dans le dernier temps, ou besoin, premièrement, et chercher la présence de Dieu. Deuxièmement, ou besoin pratiquer ou bien cultiver le culte individuel ou le culte personnel. Troisièmement, ou besoin pas attacher aux choses de ce monde. Quatrièmement, aller à la recherche des âmes perdues. Et cinquièmement, affirmer à qui nous appartenons. Nous appartenons à Jésus-Christ. Nous avons regardé lorsque nous arrivons dans la période de fête champêtre. Yo prend toute vieille rade, sale mette sous yo, c'est couleur saint, c'est couleur statue. Yo montre qui ça yo est. Mais moi-même, m'pa servi statue. N'a servi un bon Dieu qui est vivant. Li gen bouche qui capable parler. Li gen oreille pour tendre. Li gen main pour toucher et li capable agir. Parce que lorsque bon Dieu a parlé, li seulement dit et la chose arrive. Mais les autres, yo pas capable parler. Yo pa ka agi, yo pa ka marche. C'est berger ça nous gagne. Bon Dieu ça ka prend soin nous. Bon Dieu ça ka guider nous. En nous marcher avec lui. Côté nous passer pour nous dire nous c'est petit bon Dieu. Et que tout le monde capable témoigner. Là où est ça bon Dieu fait pour dire c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.